Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Dernière ligne droite pour le candidat du Parti démocratique de Guinée équatoriale. Teodoro Obiang-Gema Mbazogo s'est rendu au sein de la nouvelle province d'Oyala samedi pour y clôturer l'ultime étape de sa campagne électorale. Focus sur la problématique de l'unité nationale sur le continent. Nous verrons que la République du Congo et le Gabon partagent une vision commune à ce sujet. Le président congolais Denis Sassou Nguesso et son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba ont notamment abordé ce thème ce samedi à Brazzaville. Au Burkina Faso, l'État s'engage à lutter contre le chômage avec le recrutement de plus de 24 000 fonctionnaires en 2016. Les autorités tentent ainsi de relancer l'économie tout en faisant de l'emploi des jeunes une priorité. Kofi Annan exprime son point de vue quant à la situation politique au Burundi. L'ancien secrétaire général de l'ONU estime que la constitution burundaise n'autorisait pas l'actuel président Pierre Nkurunziza à être candidat à la présidentielle de son pays en 2015. Sa candidature était donc anticonstitutionnelle selon lui. Kofi Annan déplore par ailleurs l'impasse du dialogue politique au Burundi. Il estime que le chef de l'État burundais n'est pas prêt à entretenir le dialogue avec l'opposition. Position. Le président Teodoro Obiang-Gema Mbazogo est lui à la conquête des électeurs en Guinée équatoriale. Ce dimanche, le candidat du Parti démocratique de Guinée équatoriale était à Oyala, la nouvelle province du pays. Le porte-flambeau du PDGE s'est adressé à la population à qui il promet des solutions aux problèmes qui touchent la société équato-guinéenne et notamment le chômage. Un reportage de Leopoldo Henemé Mbassoué, notre correspondant en Guinée équatoriale. Fin de la campagne du candidat du Parti démocratique de Guinée équatoriale dans l'ensemble du pays. La nouvelle province d'Oyala a été la dernière étape de Teodoro Obiang-Gema Mbazogo pour présenter son programme politique aux militants du PDGE. Un programme septennal qui propose des solutions aux problèmes qui touchent la société équato-guinéenne, notamment le chômage. Je ne demande rien au président de plus que ce qu'il fait pour les jeunes de la Guinée équatoriale. Nous sommes conscients de ses efforts pour le bien-être de son peuple, tels que la construction de la nouvelle université ici à Oyala. Ce sont des outils qui assurent l'avenir du pays. Ha mirado para que la juventud sea el día de mañana un futuro bastante positivo. Éduquer une femme, c'est éduquer un pays. Les femmes de la Guinée équatoriale sont très satisfaites du programme du PDGE. Nous soutenons notre président parce qu'il est le seul espoir pour le développement du pays. Je voudrais qu'on continue avec la paix et le bien-être social dont nous jouissons dans ce pays. Nous aimons le programme politique présenté par le PDGE parce qu'il met en avant la jeunesse de la Guinée équatoriale. Voter le PDGE, c'est accepter la continuité du programme de développement du pays. C'est le slogan qui a dominé la campagne du parti au pouvoir dans toute la Guinée équatoriale. Soutenu par des partis politiques, le PDGE s'est dit favori pour le 24 avril prochain grâce au programme présenté aux militants. Je promets de poursuivre mon plan de développement du pays. Les 7 prochaines années seront décisives pour la Guinée équatoriale parce qu'on va travailler ensemble pour faire de notre pays un paradis sur le continent africain. Mais nous devons être unis pour maintenir le niveau de développement que nous avons jusqu'à présent. Oyala a été la dernière étape de la campagne électorale du candidat du PDGE à l'élection présidentielle. À cette étape, Teodoro Obiang-Gema Mbazogo a promis une Guinée équatoriale industrialisée, développée et une justice équitable pour tous. Le Congo et le Gabon partagent une frontière commune de 1903 km, un lien qui leur permet en parallèle d'établir une vision de leur avenir commun. Le président congolais Denis Sassou Nguesso et son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba insistent notamment sur la problématique de l'unité nationale. Un reportage de Deva Panzou, notre correspondant au Congo-Brazzaville. Lors de son discours, le président Denis Sassou Nguesso a évoqué divers problèmes que rencontrent les pays africains. Et notamment, il a insisté sur la problématique de l'unité nationale. Un message auquel adhère son homologue du Gabon. C'était un discours qui se voulait rassembleur et qui était très rassembleur. Et surtout en mettant le point sur la priorité pour nos pays aujourd'hui, qui est surtout l'axe du développement. Un discours très important et qui a invité les uns les autres à pouvoir le rejoindre et surtout... Moi, j'ai trouvé que c'était encore une fois un bon discours
du président et qui se voulait être le président de tous les Congolais. Le développement des pays africains repose sur l'emploi des jeunes et une économie basée sur le plein emploi. Au Gabon, les jeunes de moins de 15 ans représentent 42,1% de la population et 41,1% au Congo. Des chiffres qui offrent au président de la République gabonaise des convergences de vues avec son homologue congolaise. Nous disons aujourd'hui la même chose. Nous sommes des pays où plus de 70% de la population a moins de 30 ans, donc les problématiques sont les mêmes. Nous devons créer des emplois, nous devons développer le pays, faire un effort pour les infrastructures, l'énergie, un respect de l'environnement. Et donc c'est important que nous puissions avoir ce même dialogue. La présence des homologues du président Denis Sassou Nguesso à cette cérémonie d'investiture réaffirme la solidarité des États africains. En août 2016, le Gabon connaîtra une élection présidentielle. Le président Ali Bongo Ondimba est candidat à sa propre succession. Riek Machar entre en fonction ce 18 avril. Le chef de l'opposition au Soudan du Sud sera installé dans ses fonctions de premier vice-président à Juba, la capitale. Il doit y former un gouvernement de transition avec le président Salva Kiir dans le cadre de l'accord de paix conclu le 26 août 2015. Comme prévu par ce même accord, 1370 soldats et policiers rebelles sont entrés à Juba pour garantir la sécurité de Riek Machar. Le retour du leader sud-soudanais offre le premier réel espoir de règlement du conflit. La guerre civile déclenchée en décembre 2013 a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2,3 millions de déplacés. Plus de 24 000 fonctionnaires vont intégrer la fonction publique en 2016 au Burkina Faso, un chiffre en hausse par rapport à 2015. Cette action du gouvernement s'inscrit dans les objectifs de création d'emplois et de lutte contre le chômage dans le pays. Les explications à Didelette Mirabel Bissou. Au Burkina Faso, l'État s'engage à lutter contre le chômage avec le recrutement de 24 042 fonctionnaires en 2016. Cette annonce du gouvernement va contribuer à la création de près de 20 000 emplois directs au niveau de la fonction publique burkinabé. Les autorités, dont la dynamique de la relance économique, font de l'emploi des jeunes une priorité. Traditionnellement, l'État burkinabé recrute des fonctionnaires sur le budget national dans le cadre de ce qu'on appelle les mesures nouvelles, qui permet de faire un certain nombre de recrutements de cette nature-là. Ce qu'il faut préciser cette fois-ci, c'est que le nombre est un peu plus important que par le passé, lié au fait que le contexte sociopolitique national est caractérisé par une toile de fond, disons, économiquement difficile. Selon les résultats d'une enquête sectorielle publiée en janvier 2016, le taux de chômage au Burkina Faso est estimé à 6,6% de la population active. Certains observateurs estiment que le partenariat public-privé est un levier fort pour permettre la création d'emplois et la diversification de l'économie. Les recrutements seront effectués. On est en droit également de s'interroger sur la portée sociale et économique de ces mesures-là. Parce qu'une grande partie sera un des premiers emplois qui seront des conditions dérogatoires du droit du travail. C'est-à-dire que ce ne seraient pas des emplois directement protégés comme sont ceux qui sont là. Une bonne partie, ce sont des emplois qu'on peut qualifier d'assez précaires, hein, du type les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Plus d'un milliard de francs CFA va être mobilisé en 2016 pour l'administration des concours de la fonction publique. Le chômage au Burkina Faso touche essentiellement la frange jeune de la population, soit 8,6% chez les jeunes de 15 à 24 ans. A noter que le taux d'activité s'établit à 67,9% au plan national. C'est pourquoi l'État mise sur la formation emploi pour efficacement contribuer au développement du pays. La FECAFOOT va débuter son programme de développement des infrastructures. Selon un communiqué publié dimanche, le président de la Fédération camerounaise de football, Tombi Arokoko Sidiki, entame entre le 19 et le 25 avril une tournée à l'effet de procéder au lancement officiel des travaux de construction de nouveaux stades avec pelouse synthétique à Bamenda, à Bafia, à Sangmelima et à Bangangté. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.